De la houle en hausse et du vent side onshore ce soir sur le canon. Rebonjour à toutes et à tous. On a un temps ensoleillé dégagé, quelques voiles nuageux, une température extérieure à 29 degrés, ressenti 29 degrés, une température de l'eau un peu à la baisse à 21, un petit 22 degrés. Une marée à la hausse, le plein haut est à 19h45 avec des coefficients de 80. Et sur cette marée qui est actuellement en train de finir de monter, le vent est side onshore, il est nord-nord-ouest, il est modéré à soutenu, il y a 2 à 3 beauforts au bord. Avec un plan d'eau clapot, sur le large c'est 3-4, avec un plan d'eau clapoté moutonné, des faces de vagues qui sont ridées, une houle qui est pas très jolie, qui est multipique, une houle qui est longue avec 10 secondes de période, orientée ouest à ouest-sud-ouest, et qui est à son maximum, là, un pic, le pic a été touché sur la bouée Arcachon-Gascogne, à 2,10 m et 8 secondes, et ça nous donne en termes de taille de vague ce soir à la canot, un déferlement régulier à la hauteur d'un mètre, série qui rentre fréquemment à 1m20, 1m30, et on a les grosses séries là qu'on voit poindre derrière, là-bas, à gauche, à 1m50, des vagues qui sont à la hauteur d'une personne. Voilà. La barre est assez facile à franchir, les vagues sont sélectives à réserver pour des surfeurs confirmés. On a la dernière, là la compétition elle est finie là, au moment où je vous parle, mais on avait les dernières séries des femmes, et les finales qui vont se dérouler demain dans la matinée, je pense. Et la note, bah, des vagues, ça baisse, quoi, hein, ça vaut 2 sur 5. Il y a quand même des bouts. Hein. On voit quand même que la houle est quand même bien orientée ouest à ouest-sud-ouest parce qu'on a des trains de houle qui rentrent du sud et qui vont vers le nord. Il y a plus de gauche que de droite. Il y a quand même pas mal de monde à l'eau et c'est un des plus mauvais moments de la journée. Mais il reste quand même des vagues, hein. Il y a de quoi glisser. Voilà, 2 sur 5, des vagues praticables sur les meilleurs endroits. L'évolution pour la fin de journée, le vent devrait se marquer un peu plus au nord sur un train de houle qui va rester stationnaire. Pour ce qui est de demain dimanche, c'est un train de houle qui va baisser avec du vent de nord dès le matin et qui va s'énerver dès la mi-journée. La bouée côtière de Brest est actuellement à la baisse à 2,50 m et 9 secondes avec une houle ouest-sud-ouest. Et les prévisions pour demain, le dimanche 20 août à 9h à la canot, c'est 1,30 m, houle ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent de nord-nord-est, 1-2, 1-2. À 13h, c'est stationnaire à 1,30 m, ou l'ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent de nord à 4 beauforts. Et à 17h, 1,20 m, ou l'ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent de nord-nord-ouest, 4 à 5 beauforts. Bah, demain, on se lève et c'est multipique. Et le meilleur créneau, c'est le matin. Attention au vent qui va s'énerver assez rapidement à la mi-journée. Il y restera encore de la taille. Le premier point, demain matin, il est sur le 08. 92, 29, 78, 73 à 6h35. Bonne nuit.